the common when a time for an idea has come, then there will be a large number of people who will start identifying with that idea. And I would submit that the time for a commons movement has come. Le concept de l'en commun, du commun, de la communauté, en tant que ce que l'on partage, en tant que le partage est effectivement le lieu ou la relation qui fait de nous des êtres humains. Et que il en découle l'obligation de sanctuariser la relation humaine, ou disons ce qu'elle a de partage, que cela constitue peut-être l'utopie autour de laquelle il nous faut réfléchir de manière neuve. Esta reunión creo que ha sido una fotografía de cómo estamos, un balance, un conocimiento mutuo, un establecer temas claves, y creo que es una base para el futuro. No, no tenemos conclusiones. On commence par ce qu'on a à faire. Que chacun fasse aujourd'hui un travail de construction des communs et on va arriver à les coordonner. Et s'il y a une chose qu'il nous faut défendre aujourd'hui, c'est la capacité de coordination. On a quand même une difficulté à identifier ce que j'appelle les points durs ou les angles morts sur lesquels on a besoin de travailler collectivement. Je pense qu'on en est tous conscients. Je ne pense pas que ce soit un refus de les aborder, mais finalement, on est tellement nombreux, il y a tellement de choses à partager qu'on n'a pas vraiment de temps pour traiter ces angles morts. J'espère qu'on aura d'autres étapes pour les travailler un peu plus en profondeur. It's hard to predict how the movement's going to evolve because so much of it is going to be done by people in their very local micro circumstances, which will build up higher, which not incidentally is the source of the strength of it, because the commons grows organically from rooted social and ecological circumstances. If all those people reinventing the commons, reconstructing the commons, creating new commons out there, name themselves a commoner, then we can talk about a commons movement, but it may take us 5 more years. Dans 10 ans, le commun sera presque un langage quotidien, et que peut-être dans 20 ou 30 ans, bon ça c'est peut-être un peu optimiste, mais ça pourrait même être la base d'un nouveau système social et économique.